Deuxième année, correction de la table formative 2 sur les équations. Premier calcul, 3x plus 2 est égal à 5. Le but est d'isoler le x. Pour ce faire, eh bien, vous allez devoir d'abord neutraliser le terme gêneur. Le terme gêneur, eh bien, c'est le plus 2. Pour le neutraliser, eh bien, on prend l'opération inverse, c'est-à-dire moins 2. Attention, il faut faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, il reste juste 3x et là, 5 moins 2, 3. Après, on va s'occuper du facteur gêneur. Le facteur gêneur, il est ici. Entre le 3 et le x, il y a un fois, donc opération inverse, divisé. Si on fait diviser d'un côté, on doit faire la même chose de l'autre. 3 divisé par 3, 1. Deuxième calcul, 2x moins 5 est égal à 10x moins 2. Le but, c'est d'isoler le x. Or, ici, vous avez des x dans les deux membres. Donc, il va falloir regrouper les x. Alors, il y a une astuce, il suffit de regarder qui est le plus petit. Ici on a 2x et là on a 10x. Le plus petit c'est donc 2x, c'est donc celui-là qui va bouger et que l'on va neutraliser pour qu'il puisse aller retrouver le plus vieux qui est donc 10x. Pour neutraliser 2x, eh bien, on va faire moins 2x de part et d'autre. De ce fait ici, ben, 2x moins 2x, ben, il n'y a plus de x, il reste donc juste moins 5. Et là, 10x moins 2x, ça va faire 8x et il reste le moins 2. Après, eh bien, on revient à une équation comme l'exercice précédent, en fait. C'est-à-dire qu'il faut d'abord neutraliser le terme gêneur, c'est-à-dire moins 2. Pour le neutraliser, on va faire plus 2 de part et d'autre. Moins 5 plus 2, ça va faire moins 3. Et ici, il reste uniquement 8x. Après, on va neutraliser le facteur gêneur, qui est donc 8. Entre le 8 et le x, il y a un fois, donc on va faire diviser par 8. Ce qui voudra dire moins 3 huitièmes, qui donne donc x. Troisième calcul, 2x cinquième plus 3 quarts est égal à 1 demi. Là, on a de part et d'autre de l'égalité des fractions, donc la meilleure technique, eh bien, c'est de mettre toutes ces fractions au même dénominateur. Entre des cinquièmes, des quarts et des demi, eh bien, le dénominateur commun, eh bien, ce sera 20. Pourquoi ? Eh bien, parce que 20 est le PPCM de 5, 4 et 2. Pour passer de cinquièmes à des vingtièmes, on fait x 4. Donc 4 fois 2x, ça fera 8x. Pour passer de 4 à 20, on fait x 5. Donc 3 fois 5, 15. Pour passer de 2 à 20, on fait x 10, donc 1 fois 10, 10. Étant donné qu'on a toutes mes fractions au même dénominateur, eh bien magique, que se passe-t-il? On peut supprimer les dénominateurs. Il me reste donc juste 8x plus 15 qui est égal à 10. De ce fait, on retombe encore une fois exactement au même type d'équation que la première. C'est-à-dire qu'il faut d'abord neutraliser le terme gêneur. Le terme gêneur, c'est donc plus 15. Pour le neutraliser, eh bien on va faire moins 15 de part et d'autre de l'égalité. Ce qui voudra donc dire qu'il reste 8x à gauche et 10 moins 15 moins 5 à droite. On va donc maintenant neutraliser le facteur gêneur, c'est-à-dire le 8. Entre le 8 et le x, il y a un fois. Pour neutraliser donc le 8, je vais faire diviser par 8. Il me restera donc x et donc je vais également diviser par 8 dans l'autre membre. Moins 5 divisé par 8, eh bien ça reste moins 5 huitièmes. Pourquoi ? Parce que c'est une fraction qui est irréductible. Attention, vérifiez bien à chaque fois que vos fractions sont irréductibles, sinon vous perdrez des points bêtement.